Au cours d'une belle journée d'été, là où la chaleur bat son plein, il n'est pas rare que nous utilisions la climatisation, que cela soit à l'intérieur des maisons ou dans les véhicules. Mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'une utilisation sans précaution de cette fonction peut avoir des effets particulièrement nocifs sur notre santé et notre bien-être. 1. Les risques de choc thermique. Bien que souvent pointés du doigt, ce n'est pas la climatisation en elle-même qui est à l'origine de bon nombre de nos calvaires quotidiens. Le vrai coupable, c'est le choc thermique, et comme son nom l'indique, il résulte d'un changement de température brusque, car le corps humain n'est pas fait de sorte à supporter les variations subites de température au-delà des 10 degrés Celsius. Lorsqu'on entre dans son véhicule et qu'on met en marche la climatisation, c'est tout l'équilibre de notre système respiratoire qui en prend un sérieux coup, qui se fragilise et laisse le champ libre à toutes sortes de bactéries et autres infections. Raison pour laquelle, il est toujours recommandé de régler la climatisation à 4 degrés de moins par rapport à la température extérieure. 2. La pollution de l'intérieur même du véhicule. Tous les véhicules sont dotés d'un système de filtre permettant d'épurer au maximum l'air avant qu'il n'atteigne l'habitacle. Mais la question qu'on ne se pose souvent pas, c'est est-ce que ces filtres resteront toujours aussi propres que le premier jour? La réponse est bien évidemment non. Parce qu'avec le temps, un certain nombre d'impuretés telles que des bactéries, poussières, moisissures et autres pollens s'accumulent au niveau de ces filtres et peuvent faire de votre véhicule un environnement parfait pour le développement de plus d'une maladie allergique. Et comme lorsque nous utilisons la climatisation, nous fermons les fenêtres, disons que c'est bien loin d'arranger les choses. Du coup, le mieux à faire est de vérifier son système de climatisation et de filtration d'air au moins une fois par an. 3. Ce à quoi vous vous exposez en démarrant la climatisation dès votre entrée dans le véhicule. Une habitude que tellement de gens ont au quotidien, mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'une telle chose peut être très dangereuse pour la santé. À chaque fois que vous quittez votre voiture après avoir fermé les fenêtres, pendant tout le temps où elle reste garée, elle accumule du benzène. Quand vous la garez à l'ombre, elle accumule entre 400 et 800 mg de benzène. Mais savez-vous que le niveau de benzène atteint les 2000 à 4000 mg lorsque votre voiture est directement exposée à la lumière du soleil? La différence entre les deux situations est énorme. Étant donné qu'il s'agit d'une quantité de benzène 40 fois plus grande que le niveau inoffensif. Autrement dit, lorsque vous vous asseyez dans votre voiture et que les fenêtres sont fermées, vous inhalez le très dangereux benzène. Une inhalation excessive d'une quantité conséquente de benzène est toxique et affecte inévitablement les poumons, le foie, les tissus osseux ainsi que les reins. Sachant que le corps a besoin d'un certain temps pour pouvoir éliminer tout le benzène inhalé. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi il est marqué dans le manuel d'utilisation de voiture qu'il faut ouvrir les fenêtres avant de mettre en marche la climatisation? Comment les médecins pourraient expliquer cela? La climatisation dans votre véhicule élimine l'air chaud avant de commencer à le refroidir. Elle élimine aussi le benzène, qui est cancérigène. Ce qui veut dire qu'en ouvrant les fenêtres, vous permettez à ce benzène chassé de l'intérieur de votre voiture d'être évacué au lieu d'y rester. Assurez-vous donc que les fenêtres restent bien ouvertes plusieurs minutes avant de conditionner l'air. Des conseils qui visent avant tout à protéger votre santé ainsi que celle des vôtres, comme quoi, de simples gestes de tous les jours peuvent nous éviter bien des problèmes. C'est fini pour ce tuto, n'oubliez pas de mettre un j'aime, partager ma vidéo sur les réseaux sociaux, ou de s'abonner à ma chaîne. Au revoir et à bientôt.